Voilà, tu éveilles une cosmique. Écoute. Merci beaucoup Callisto pour les 6 mois. Hashtag TeamWax. Vivement un autre regroupement de streamers dans une maison. S'y retrouve l'esprit Solari qui fait sa force. Ouais, c'était cool la villa. Je pense qu'on refera. Tu sais que c'est dur, mais c'était comme ça. Si bon, premier passage en master, t'en veux pas lâcher rien et tu l'auras ce master. Merci beaucoup, Nameless Prince. Ouais, j'espère. Arrête, je sais que j'en suis encore loin, tu vois, genre. And my team, no winner queue. Tu racontes, fidèle. Je sais que j'en suis encore loin, tu vois. C'est un objectif que je me suis fixé, ouais, de passer master, mais je croise les droits. J'essaie pas trop d'être concentré dessus. I puffing topside. J'essaie de pas trop me concentrer dessus, mais pff, on reste focus. Que. Et le creep, frère, lâche-moi! Il y a toute une wave! Dis-moi que ta start Q Rakan et pas W, je t'en conjure. Nice. Un peu de présence en lane, s'il te plaît, mon support. Merde, j'ai raté un creep. Je vais aller ward tree. Pour Karim. Bien les couilles, Smolder. Alors les trades, quand le canon va mourir et qu'on est level 2 sur Rakan, faut éviter si possible parce que y a pas de possibilité de sortir. Et si je follow le trade à 100%, je perds un canon et c'est pas dit qu'on gagne. Pas trop envie de back, mais si je back pas, je vais me faire dive. Hein. Quand même pas envie de back. Aïe mon frère Rakan. Donc là c'est dans le bush mais j'ai pas la vision, c'est stylé. Je l'ai déjà pesé une fois comme ça cette ward, ça met bien. C'est les couilles ça. Ok bon on a un kill. Je vais attendre, hein. Lady Gold qui a manqué à la base. Il va freeze la wave, c'est un peu smart. Ouais, il freeze. C'est chiant. Mais j'ai pas trop le choix. Merci d'ailleurs, Kalium, pour les 1 an. Excuse-moi, j'avais pas vu. Merci beaucoup.
Nice. Oh, ça va, il reste que 3 casters. Yvan a pris quasi toute la wave. La Q Amelio, Smolder. Ils ont pas de pink dans leur inventaire, ils ont pas de red trinket non plus. Je check s'ils ont pas. Oh, pink est là en arrivant sur une, non. Il y a Diana aussi. Ah, je suis vraiment quoi qu'il arrive. Pas trop de regrets parce que si je suis un peu plus réactif. Si je suis un peu plus réactif, je mets deux auto-attaques sur les creeps et je pense survie. Après le flash de. Ça reste quand même bien. On peut 2 pour 2 en 2v4, 2, 2 for 2 in 2v4 situation. Good job. Cancel bien sûr. Moi, je suis à dash le mur, je pense pas cancel avec un Z. J'ai quand même fait perdre beaucoup de temps là. On va prendre ça pour se reheal un petit peu, récupérer le mana qu'on a perdu. Du coup j'ai pas d'ulti donc je vais pas trop pouvoir fight et tuer Smolder. Je peux fight quand même hein, mais je peux pas le kill. Donc je vais juste le zoner. Ah il a un peu le HP quand même. Il y a des chances qu'il me aide pour essayer d'avoir le CS. En vrai il peut pas jouer. Hein. Il va re-Z. Juste pas d'infos et Karim. Ah, on a perdu un VS Novgod. Nice, toujours pas d'infos et Karim. Ah, je vais laisser avec ça la wave là. J'ai mon item. J'ai pas deny beaucoup. Oh putain. Non. Ah, donne-moi le kill. Oh, donne la cité à Fiddle, c'est encore mieux. Four main bot once more, smile est triste. On va repartir bot lane. Ah dommage, j'ai un peu mal joué. J'aurais pas dû mourir là. Merci beaucoup Ferry pour les 23 mois. Il va crever au mid, Vegar. Oh, c'est trop. C'est... Ça, c'est. Ça, je comprendrai jamais. Genre, il gank. Enfin, les mecs viennent de gank lane. Ton classement dans ce challenge.
Yes, OFC. Merci beaucoup Ferry, je suis 3ème là. Tu vois, il y a un petit 3 à côté de mon pseudo. Ouais, je comprendrai jamais. Les mecs gank une lane, ils vont forcément. Enfin, on a eu l'info, on va forcément crever sur le reste de la map, genre. Comment expliquer ça mieux, mais. Tu sais, les mecs gank top, on les voit partir bot, il va mourir bot. Enfin, on les voit partir mid, il va mourir mid. Après, il court bot, il va mourir bot, genre, c'est une dinguerie. J'ai jamais trop compris. J'aurais dû perdre ma ping, my bad. Hein. Est-ce qu'il y a mon Q? J'ai pas eu tout avec Karim, il va peut-être encore revenir pour essayer de me tuer. Je grid pas mal là. Hein. Karim bot side et je me casse. ¼ c'est quoi? C'est mon nombre de game. C'est son Drake, j'arrive, je suis un peu loin. Troisième équipe sur 4 et 4ème au classement du duel. Mais n'importe, enfin les gars, n'importe quoi, ouais. 45, non, il y a 20. 45, en fait, je suis 45ème. Vous êtes bêtes. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe, hein, mais. N'importe quoi, 45ème sur le classement du duel. Oh la honte. Oh mon dieu. Ok, il y a Diana en shadow. Vous pouvez nous laisser tranquille, Yvan ou... Ok, il y a Karim aussi. Encore 4 bots, je le fais check là. Oh, il est pas mort. Ouais, bah le cunning était vraiment très mauvais. J'étais chaud le flash, mais je me suis dit. C'était un peu une question d'ego aussi. De réussir à récupérer un kill quand ils viennent nous gank à chaque fois, tu vois. Si l'overstay, on le tue. Cassez où un peu les gars. On peut plus. Je l'ai en combien? C'est combien? Genre ils sont combien? Combien sont-ils? Je grid. Alors il y a peut-être Ikarim qui va revenir bot. Je grid la T1. Ça m'a pété les couilles. Si Ikarim revient bot et qu'il me tue bien, je joue à lui. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Normalement il est topside, hein, mais bon. À Stello là, on est jamais trop sûr de ce qui se passe donc. Diana! Dead. Hein. Elle m'a tué juste avec ZQ. Même pas. Z auto. Ouais, j'étais dead anyway. Hein. J'étais stuck. Faudrait que je prenne l'initiative en dashant dans le rush. Je pouvais pas juste courir vers ta tour. En fait, si je cours vers ma tour, elle me die. J'ai essayé de la brain en mettant dans le bush. Elle est venue check, malheureusement. Je sais pas trop ce qu'ils ont comme ward. Ils avaient pas de ward ici, pas de ward. Peut-être une ward là. Ils avaient pas de ward ici parce que sinon elle serait venue direct sur moi en fait. Ma game au bot hein. 60 teams.
La team en face souhaite déguster fort. Ouais, ils sont 60 teams, ils sont 60 bots. Et oui, ils veulent hein, au bot, hein. Enfin au bot. Tous en fait, tous sauf Vlad. Et Karim n'est eu 4 fois bot, je crois qu'il est mort 4 fois. Salut, hein. Il a survécu la dernière fois à un PV, c'est châteux. Après voilà, c'est pas non plus gratos, ma team elle joue de l'autre côté de la map heureusement. Greedy comme puffing. Il est mort quand même Rakan, c'est worse en vrai. Je vais éviter un peu la T3, on a combien de Void? 6. Heureusement qu'on en a 6. On va pas griller de l'auto-attaque pour 21 gold. On va juste partir. Good job guys. On a quand même fait du très bon boulot parce qu'on se retrouve à 10-3 avec la tourelle pre-bot en premier alors que no joke, la lane était perma 2v3, 2v4, 1v3. Donc c'est du bon taf. Et top, ils ont bien réagi aussi, on a tout pris topside. Donc plutôt content de ce qu'on a fait là. C'est gain 5 game, il est master. Non, on en fait plus, non. Je fais genre du... On va dire, imagine, je fais plus 30, je fais 150 LP. Donc non, il me faut plus, il me faut moins. Au minimum 6 wins. Ok, on va continuer, enfin on va continuer, on va commencer à perma farm. 2.33, 33, 33, 33. Merci beaucoup Emdal pour le 3 mois. J'ai envie de les fight là, ah, c'est pas wardé, t'inquiète. De base je voulais les fight sur la midwave quand ils allaient la jouer mais... Vu le positionnement et la decision making de Fiddle, ça n'était pas trop possible vu qu'il allait absolument ce spot. Je vais aller au mid. Si win sur 8 games, ça devrait le faire. Ouais, après, je pense que si je fais 2 lose, je passe pas master. Mais... Je pense qu'il faut que je set 1 pour passer master. Pour une wave avant BT. Elle a pu faire tous ses camps. Je récup mid wave et après je recall hein. J'ai mon item. Pas trop fan de ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'était off tempo de baiser comme play. Ah,
Ok, on a bêté. Bon, on a perdu seulement Yone. En vrai, ça va. Il avait pas de shutdown non plus. Donc, c'est pas catastrophique. Mais c'était quand même bien de la merde. 3 items, 20 minutes. 8-0, rien, mental de winner. Oui, bien sûr, 8-0, c'est toujours mieux. Ah, c'est juste. Y'a des games qui sont pas vraiment gagnables, tu vois. Malheureusement. J'ai eu pas mal de games avec des AFK et tout, ces games-là, tu peux pas les win. À part si le mec qui déco, c'est un support et que t'es déjà. Ou alors que t'es déjà vraiment en train de win la game. 4v5, c'est quasiment ingagnable à Stello. Nice. Restez Karim quand même en vie, on a pas de smite. C'est bon, il est bot. Il a pas de smite, c'est vrai. Je vais repush top, j'aimerais bien jouer à tempo quand même. Ah, tout le monde back. Ah, je back aussi du coup. Play mid bot. On a un bon siege en vrai. Yone peu side, j'ai pas de Zonia Vegar, j'ai mon flash par contre. On va synchro les waves. Un gros mid bot. C'est pas worth de flash pour un kill, mais là on est sur un step, on va de la game donc. Ça enlève un mec qui peut def et ça augmente grandement nos chances de haine. Ah, good job guys. Ok, nice. On a fait une grosse game là, ça va. Quelques petites erreurs mais... globalement une grosse game. Le Vlad qui doit encore dire jungle gap again. Ah, c'est le même Vlad. C'est le même Vlad que la game d'avant avec moi là. Oh yes. Ranked reward, mystery emote. Wouh. Ah 27 LP, ça commence à pas être foufou. Hein. Ça fait du bon boulot. Quelques petites erreurs mécaniques sur 2-3 interactions, mais du bon taf quand même.